à tous. Grosse journée aujourd'hui. Je pars en Tunisie. Premièrement, ben, bonne année 2017. J'ai pas eu la chance de faire une vidéo depuis qu'on est en 2017 parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. C'est super important avant de partir un mois et demi en voyage de passer du temps avec ceux qu'on aime. Et puis, ben, pour 2017, juste de réaliser vos projets les plus fous. Si vous n'avez pas commencé vos projets aussi, c'est le temps en 2017 de commencer ça. Pour ma part, je m'en vais en Tunisie aujourd'hui. Donc, je vais prendre l'avion. Puis, qui dit départ en voyage, dit aussi bagages. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les bagages ensemble. Fait, je vais vous donner quelques trucs en même temps, comment moi, je fais mes bagages. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le matériel. Donc, je suis un peu freak, des fois, de l'optimisation, pour ceux qui me connaissent. Donc, peut-être que des fois, vous allez trouver des trucs un peu techniques. Par contre, ça va sûrement vous aider si vous avez à faire vos bagages prochainement. Donc, on y va. J'ai tout mon matériel. Où est-ce que je le sers? Donc ça, c'est mon armoire favorite. C'est là qu'il y a tout mon matériel de plein air, tout mon matériel d'escalade. Nous, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, ça va être ce sac-là ici. C'est le Arc'teryx Mura 45. C'est un sac qui est relativement polyvalent. Je vais tous vous montrer comment moi je le pack aujourd'hui. Ça va être mon bagage que je vais apporter avec moi dans l'avion. C'est un sac qui a du bon padding de chaque côté. Donc, ce qui fait qu'il est capable de garder une bonne structure même s'il n'y a rien à l'intérieur. Je divise toujours mes bagages en quatre sections. Premièrement, j'ai les électroniques. Ensuite, j'ai toute ma trousse pour l'hygiène, donc tout le matériel que j'ai besoin pour me laver, le linge et puis tous les équipements de confort. Tout mon matériel électronique que j'ai ici va rentrer dans ce petit sac-là ici. On a des écouteurs, chargeurs, des batteries de spare, le GorillaPod, la GoPro Hero 4, les cartes SD, ici avec la combinaison de mon cadenas. Ça ici, 2 TB de storage pour faire les backups de mes vidéos, de mes photos. Ensuite, j'ai des batteries, barres pour charger, ça ici. Des batteries rechargeables et des batteries jetables. Une petite lampe frontale. MacBook Air, bien sûr, essentiel. Plein de stock pour la GoPro. Dans le matériel de douche, ça, c'est une microscopique serviette. Dans mon petit sac d'hygiène, j'ai toujours un pot super utile en voyage. Si on mange des trucs trop bizarres, ben des Tums. Par contre, lorsque vous arrivez dans un contrôle, les douaniers aiment pas trop ça, avoir un genre de cocktail de pilules comme ça, là. Pantalon long, quelques shorts, des shorts qui fait maillot de bain aussi, boxer, bas, et du linge, manches longues, manches courtes, beaucoup de chemises pour travailler. L'idéal avec les pantalons, c'est d'avoir des pantalons qui sont et fonctionnels et stylés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par de l'équipement de confort? Ben, c'est tous les trucs autres qu'on peut amener, qu'on se sente confortable. Quelques barres, donc Cliff Bar ou Lara Bar sont un petit peu plus santé. Un petit coussin ici gonflable qu'on peut se mettre autour du cou. Une bouteille d'eau ici qu'on peut plier, qui prend vraiment pas beaucoup de place. On peut pas transporter d'eau lorsqu'on passe le contrôle. Donc lorsqu'on est de l'autre côté, on a juste à aller prendre une buvette ou une toilette, on la remplit d'eau. Et bam, on a de l'eau gratuitement. Un cadenas ici super important, cadenas à code. Et on ne part jamais en voyage sans un bon livre. L'alchimiste de Paulo Coelho, mon livre favori. Et ensuite de ça, des lunettes. Pas mal tout ce que j'amène avec moi. Donc tout ça devrait rentrer dans ce magnifique sac-là ici. Tout ça, c'est le linge. Ça va rentrer dans deux petits stuff sacs comme ça. Fait que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce sac-là ici avec tous les chargeurs, tout ce que j'ai de besoin. Je vais le mettre dans la poche du dessus ici. Je vais m'assurer de clipper ça ici à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, j'ai juste à le glisser à l'intérieur de la poche. Voilà, donc toutes mes électroniques, mes chargeurs sont à l'intérieur. Ici, j'ai de la place pour mettre mon stock d'hygiène. Puis, je vais mettre mon laptop dans une des poches. Sur le dessus ici. Tout est dans le sac. Lorsqu'on l'ouvre sur le côté comme ça ici, on a accès à tout notre matériel. Donc si exemple je veux sortir
un sac à linge, j'y vais par ici, juste à le sortir comme ça ici. Je l'ouvre. Puis ensuite, lorsque j'ai terminé, j'ai juste à le reprendre et le remettre en place. Et voilà, on est prêt à partir. Bienvenue à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Il est présentement 19h, donc il me reste encore 2h avant de prendre le vol. Super, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Je viens de faire le check-in pour mes bagages. Je me dirige à l'embarquement, donc au contrôle. Puis ensuite de ça, on vole pour la Tunisie. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Mon avion est juste là derrière. Donc premièrement, on fait un vol de Montréal jusqu'à Casablanca. Ensuite, j'ai une escale de 3 heures. Puis ensuite de ça, on fait Casablanca, Tunis. Puis je vais arriver demain matin à 10 heures. Vous devriez avoir ce vlog-là en ligne à peu près en même temps que je vais arriver. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Hey, je connais un Chambéry. Ah, super gentil. Merci. Merci. Bye. L'embarquement aujourd'hui a l'air assez laborieux. Merci.